Yeah, it's JD on this motherfucker. Y'all know how this shit go. Niggas be false claiming. Niggas be false. Et yo les gars, c'est Azir, on se retrouve pour un tout nouveau tuto pour le tuto en fait de la Yamaha DT50. Tout simplement, Yamaha DT50, modèle plutôt intéressant. Donc c'est les anciennes DT50 avec un moteur un peu boosté. Enfin, c'est pas un modèle d'origine du tout. C'est un modèle intéressant. Après, les motos sur, vous connaissez hein, les motos sur Assetto, c'est la physique est un peu particulière. On peut lever avec, mais ça va être que à l'accélération. Sachez qu'on peut pas lever dans le jeu. Il y a des gens qui me demandaient, mais comment tu fais pour lever? C'est juste à l'accel. Tu peux pas lever en fait avec une façon spécifique comme Mix Bike, comme Assetto, enfin comme Track d'ailleurs, comme d'autres jeux. C'est vraiment, tu vas lever par hasard parce que accéléré, enfin le modèle lève un peu aléatoirement, mais ça reste un modèle plutôt intéressant, je pense que pour certains, tu sais, de pouvoir en fait varier le contenu sur Assetto. Déjà qu'Assetto c'est un jeu très rempli en termes de contenu, ça peut être intéressant pour certains. C'est un modèle au niveau du son, au niveau de la puissance et tout, c'est plutôt correct, c'est vraiment pas mal à utiliser en vrai. Dans le trafic, ça peut-être être intéressant, même si je sais pas trop au niveau de la direction comment ça se passerait, mais en tout cas ça peut être intéressant. Et puis voilà, je vous fais ce tuto pour les passionnés de 50 ou de moto en général sur Assetto. Donc voilà, le dossier s'appelle SM Yamaha DT50 LC, donc c'est un modèle qui est disponible dans la description. Le modèle, enfin à chaque fois que je sortirai un mode, je vous mettrai dans la description le lien en fait, tout simplement. Ça vous évitera d'aller chercher ou de tomber sur des sites un peu bizarres, parce que c'est vrai que pour les modes c'est assez compliqué de trouver des modes sans passer par des sites où il y a de la pub, où il y a des trucs, enfin voilà, là je vous mettrai le lien dans la description, il n'y aura pas à chercher à mille endroits, ça va être un lien média fini, et voilà, et je remercie à chaque fois aussi la plupart du temps les créateurs de ces modèles, même si je ne sais pas trop, hein. Des fois je mets X, tu vois, juste histoire de remercier une personne dont je connais pas le nom, parce que je sais pas d'où le mode vient, voilà, on voit bien qu'il n'y a pas écrit de nom spécifique, il n'y a pas écrit by telle et telle personne, donc voilà, c'est juste, je mets le remerciement quand même au cas où, et puis voilà, ça fait plaisir. Donc ce modèle là, je vais vous montrer plusieurs façons comme d'habitude de l'installer, donc on va avoir la façon très simple via le Content Manager tout simplement, et on aura la façon un peu plus compliquée mais qui reste tout aussi simple manuellement via directement les dossiers Steam. Donc je vais vous montrer la façon la plus simple. Donc ça va être aller directement sur votre Content Manager. Donc Content Manager, c'est un logo rouge et blanc comme ici, donc c'est un launcher en fait, c'est une extension d'Assetto Corsa, c'est quelque chose de différent en tout cas du jeu, c'est assez simple à installer, je vous invite à aller regarder sur YouTube, il y a des tutos, sinon j'en ferai moi aussi, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un tuto pour installer Content Manager, si vous voulez un tuto pour installer des packs graphiques, enfin on essaiera de voir ensemble. Pour faire quelques petits tutos, pour installer des modes, pour voilà, installer d'autres modes, des voitures, des trucs. Enfin, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. En tout cas, là, voilà, on va installer donc de la façon la plus simple. Directement sur Content Manager, on va aller en fait juste ici, là, vous avez en fait trois petits traits, voilà, tout simplement juste en haut, à côté de réduire en fait. Vous avez trois petits traits, vous allez juste cliquer dessus et vous avez installé depuis un fichier. Donc là, ce que vous allez faire tout simplement, c'est cliquer ici. Là, il va aller chercher en fait dans vos fichiers le fichier en question à sélectionner. Donc là, vous allez aller sélectionner en fait le dossier qu'il y avait dans la description à installer. Donc c'est le dossier SM Yamaha DT50 LC tout simplement. Vous allez sélectionner, vous allez faire ouvrir et dans l'application, vous allez retourner juste en haut, à côté de réduire, hein, donc avec les trois petits traits, et vous aurez ici directement dans téléchargement juste ici installé. Voilà, vous avez le dossier en question, vous faites installer,
installer et puis il va s'installer automatiquement. Voilà, c'est vraiment le content manager qui s'occupe de tout. Là c'est installé, c'est fait, c'est fini. Pour les personnes qui n'ont pas content manager ou je sais pas s'il y a des cas un peu spécifiques qui préféraient installer manuellement le modèle, je vais vous montrer comment installer manuellement le modèle très facilement. Donc pour les personnes qui auront acheté, forcément pour ceux qui ont acheté, je sais pas s'il y a des gens qui craquent encore le jeu vu le prix du jeu. Voilà, pour ceux qui, je vous invite vraiment à ne pas le craquer, il n'y a pas d'intérêt. Vraiment, le jeu coûte aujourd'hui 7€, 6€, enfin c'est un jeu qui vaut vraiment pas cher. Je vous invite à aller dans la description, je vous mets un lien Stand Gaming qui vous permettra d'acheter le jeu vraiment pas cher. Voilà, achetez-le, c'est vraiment beaucoup plus simple. Au moins, vous aurez le jeu en complet et il n'y aura pas de problème, tu sais, de tous les problèmes qui sont liés au jeu crack. Je vous incite pas vraiment à le faire, vraiment ne le faites pas, ça sert à rien. Après, pour ceux qui l'ont installé gratuitement, on va vous présenter ça d'une façon différente aussi. Donc vous allez dans Steam en fait tout simplement et vous avez votre jeu en fait dans la bibliothèque, vous allez dans accueil et vous avez votre jeu en fait sur dans la liste des jeux en fait tout simplement. Vous allez clic droit, gérer et vous allez parcourir les fichiers locaux et ça va vous ramener en fait directement dans les fichiers du jeu d'Assetto Corsa. Donc ça vous évite d'aller chercher tous les... Mais dans le principe où vous devez aller chercher par vous-même, vous allez dans le dossier en fait Steam Library, Steam Apps, Common, Assetto Corsa. Et en général, voilà tout simplement. Je crois que ça se trouve dans le jeu... Non, je sais plus dans quoi ça se trouve, mais en tout cas, voilà, Steam Library, Steam Apps, Common, Assetto Corsa. Pour ceux qui ont craqué le jeu, je sais pas comment ça se passe. Mais en gros, faut aller dans les fichiers de votre jeu où il y a en fait tout ça, quoi. Plugin, apps, cache, SFG, enfin tout ça, voilà. Ensuite, vous allez être dans Content, juste ici. Et vous aurez le dossier Cars, en fait. Où là, dans ce dossier-là, vous aurez tous les véhicules du jeu. Ensuite, ben, vous allez tout simplement aller dans le dossier, là où vous avez votre dossier du jeu, en fait, donc... là le SM Yamaha DT50LC et vous allez tout simplement l'ouvrir et dans ce dossier là vous aurez encore un dossier qui s'appelle SM Yamaha DT50LC. Voilà, vous faites gaffe toujours qu'il y a tous ces composants dedans plus ou moins. Donc s'il y a tous ces composants, c'est vraiment qu'il faut mettre le fichier là dans votre dossier. Et donc tout simplement vous allez ouvrir votre dossier Cars, hein, là où on était avant, et vous allez glisser le dossier SM DT directement dans le dossier Cars. Voilà, tout simplement. Une fois ça fait, votre modèle est sur votre jeu, donc ça sera fait de façon manuelle, hein, mais votre dossier sera sur votre jeu. Donc voilà, une fois dans le jeu, donc là, moi, je vais passer par le content, hein, pour vous montrer, donc, enfin, passer par content manager, tout simplement. Vous allez dans la liste, en fait, de vos véhicules, hein, donc constructeurs. Il y aura la catégorie SM Lab, qui est juste ici, avec un piston, voilà, et des clés. Vous allez cliquer tout simplement dessus et vous aurez la Yamaha DT50 juste ici. Donc voilà, elle existe en plusieurs coloris. Voilà, je vous montre vite fait les coloris. Elle existe en plusieurs coloris et c'est vraiment l'ancien, c'est l'ancienne DT en fait, tout simplement. Hein. C'est les anciennes DT avec un petit échappement. Enfin voilà, on voit qu'il y a eu quelques petites modifications qui sont plutôt intéressantes et je trouve ça vraiment cool. Ça fait un peu penser, tu sais, aux motos thaïlandaises, tu sais, les trucs qui sont tout petits, tout fins, tout rabaissés, qui bombardent à mort avec des vélos, avec des roues de vélo et tout. Enfin, ça fait un peu penser à ça. C'est stylé en tout cas, le genre de proto là, avec la petite plaque derrière et tout qui est stylé. Non vraiment c'est plutôt pas mal, donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous plaira la famille, n'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez des tutos en particulier que je peux éventuellement faire, hein, n'hésitez pas à me le dire, on essaiera ensemble de faire des tutos tout simplement, hein, de réaliser des tutos pour vous aider, hein, l'objectif c'est ça. Je vous dis à la prochaine la famille, prenez soin de vous, c'est important, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend de quand vous regardez cette vidéo, ciao les gars.